Attention, le but de cette vidéo est de revenir sur l'annonce du remake de The Last of Us il y a quelques jours et d'essayer de donner une raison cohérente sur ce sujet. L'idée est d'apporter une analyse et en aucun cas d'imposer une seule et unique vérité autour de ce projet. De même, nous préférons avertir que du spoil majeur sera présent tout au long de cette vidéo concernant le premier opus de The Last of Us. Merci à tous et bonne vidéo. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Le 14 juin 2013, le monde découvrait l'incroyable chef-d'œuvre concocté par Naughty Dog depuis 2009. Premier projet de Bruce Straley et Neil Druckmann, The Last of Us est clairement le jeu que personne n'a vu venir. Et c'est peut-être bien pour cela que son impact sera si fort. De l'introduction déchirante avec le décès de Sarah... Non. Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, en passant par de nombreux moments poignants, que ce soit la déclaration d'Ellie à Joël. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Les retrouvailles d'un père qui regrette ses mots et son éloignement. Allez ! Mais ça, pas. Ça va, non. Ça va, c'est moi, regarde, c'est moi. Il a essayé. Viens, ça va. Les amitiés bien trop éphémères. C'est ta faute. C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute. Henri, non. Et bien entendu, les douleurs causées par des mensonges bien trop graves. Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Beau, tragique, mais merveilleux par moments, surprenant, personne n'a vu venir The Last of Us. Que ce soit les joueurs, la presse, les fans, le jeu va littéralement toucher plus ou moins tous les joueurs qui oseront vivre l'aventure aux côtés de Joël, Ellie, Tess, Tommy ou encore Maria. Un an plus tard, après avoir été grandement salué par la critique, The Last of Us Remastered débarque sur PS4 pour nous refaire vivre d'excellents moments. Encore plus belle, cette version remasterisée est une version ultime du jeu, avec son mode faction et surtout son DLC Left Behind, qui nous narre les débuts de l'histoire avec le moment où Ellie se fait mordre. Deux ans plus tard, au début du mois de décembre 2016, Sony et Naughty Dog comblent de bonheur les fans. Joël et Ellie semblent être de retour avec The Last of Us Partie 2. Et après 4 longues années d'attente,
le jeu va indéniablement diviser les joueurs au moment de sa sortie en juin 2020. Mais il obtiendra le même succès critique, devenant le jeu le plus récompensé de l'histoire. Les équipes de Naughty Dog parviennent à repousser les limites et proposer un jeu beaucoup plus obscur, plus violent et plus difficile psychologiquement qui nous poussera à bout. Alors que tout le monde attend une version ultime de cette partie 2 sur PS5 en 4K, 60 FPS avec un peu de ray tracing et une totale compatibilité sur la DualSense, nous venons d'apprendre que Naughty Dog développe en collaboration avec le studio de Sony San Diego un remake du premier opus de The Last of Us pour la PS5. Bien plus qu'un simple remaster, The Last of Us sur PS5 devrait proposer un jeu beaucoup plus joli avec un nouveau moteur graphique spécialement conçu pour la PS5 et qui fut exploité pendant plus d'un an par Sony San Diego. Bien que tous les fans ne peuvent absolument pas refuser l'idée de redécouvrir les aventures de Joel et Ellie dans une version encore plus belle, cette décision divise. Pourquoi faire le choix étonnant de faire un remake de ce jeu qui fêtera ses 8 ans en juin prochain, plutôt que d'adapter The Last of Us Partie 2 justement avec ce nouveau moteur graphique et proposer un remake d'un autre jeu bien plus vieux qui aurait tout intérêt à revenir sur le devant de la scène, comme un certain Uncharted Drake's Fortune par exemple, qui fêtera cette année ses 14 ans et dont l'adaptation cinéma est prévue pour le début d'année 2022. Dans un premier temps, tout est une question de finances, car à la base, c'était bien Uncharted Drake's Fortune qui devait bénéficier de sa version remake par les équipes de Sony San Diego. Hélas, pour un premier projet, cela représentait beaucoup trop d'investissements financiers et en termes de temps pour un projet de cette envergure. Avec Uncharted, ce n'est pas seulement le moteur graphique qu'il fallait remettre à jour, mais également le gameplay et de nombreuses séquences qu'il aurait fallu reproduire intégralement. Alors, Sony a pris la décision de proposer un remake de The Last of Us. Mais cette décision fut-elle vraiment prise uniquement dans le but de faire plaisir à Sony San Diego qui souhaitait, par tous les moyens, avoir leur premier projet? Ou alors, Sony a-t-il une bonne idée en tête? Comme l'envie de faire d'une pierre deux coups, par exemple. Le 5 mars 2020, HBO annonce un partenariat avec Naughty Dog et PlayStation Productions pour l'adaptation de The Last of Us en série télé. À ce moment-là, cela fait environ un an et demi que Sony San Diego travaille sur le remake de The Last of Us. Dès l'annonce du projet de HBO, nous savons que la série aura pour but d'adapter les premières aventures de Joel et Ellie. Bien entendu, la mise en place d'un projet de cette ampleur ne prend pas seulement quelques mois. Il est certain que Naughty Dog, PlayStation et HBO sont en discussion depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, pour trouver un accord, et qu'il fallait attendre le bon moment pour l'annoncer. Il est certain que la décision d'adapter le jeu en série est proche de celle de faire un remake de The Last of Us. Les deux projets ont dû être décidés au cours de l'année 2018. Il est assez difficile de trouver une période exacte, puisque très peu d'informations ont fuité à ce sujet. Ainsi, Sony aurait-il pris l'initiative de faire un remake de The Last of Us avec l'idée de promouvoir la série, et inversement. Bien que The Last of Us Partie 2 soit récent et qu'il est certain qu'une version PS5 va arriver, la série aura pour scénario principal l'intrigue du premier jeu. On a pu voir avec la série The Witcher que la saison 1 sur Netflix a fait littéralement exploser les ventes de The Witcher 3 qui sont reparties à la hausse 4 ans après la sortie de ce dernier opus. L'avantage, c'est qu'au moment de la sortie de la série The Witcher, le dernier opus en date qui était The Witcher 3 était disponible sur PS4 et Xbox One, c'est-à-dire les consoles de l'époque. Lorsque la série The Last of Us sortira, le jeu ne fêtera pas quant à lui ses 4 ans, mais sans doute son 9e anniversaire, voire son 10e. Et le jeu ne sera pas disponible sur PS5. La décision serait donc judicieuse de Sony de proposer une version complètement optimisée pour sa dernière console next-gen. Il y a quelques semaines, nous apprenions par l'intermédiaire de Neil Druckmann que la série The Last of Us sur HBO reprendra bien les événements du premier opus. Cependant, le jeu sera beaucoup moins orienté vers l'action avec de nombreux gunfights qui sont propres aux jeux vidéo, mais plutôt avec beaucoup de moments narratifs et beaucoup plus de situations dramatiques qui s'adaptent mieux au format de série. HBO a pu prendre pas mal de liberté tout en respectant l'univers de The Last of Us. Neil Druckmann confiait que de nombreuses scènes et dialogues cultes du jeu reviendront dans la série, mais qu'il y aurait aussi des moments inédits que les joueurs ne connaissent pas. A la différence des remasters, les remakes proposent une refonte graphique et parfois des scènes supplémentaires,
Cependant, il ne faut pas confondre les différents projets. Un remastered est une version améliorée du jeu relativement récent. En général, il bénéficie d'une meilleure résolution graphique, d'une remasterisation audio et d'un nombre d'images par seconde amélioré. Par exemple, The Last of Us et The Last of Us Remastered. Un reboot, c'est un départ à zéro. On reprend l'histoire, on en garde les grandes lignes, mais on réécrit la plupart du jeu et on repart à zéro. Exemple, le reboot de la saga Tomb Raider en 2011 par Square Enix, qui n'a plus rien à voir avec les aventures de Lara Croft dans Underworld. Un remake, c'est la refonte totale du jeu pour le remettre au goût du jour. On garde l'histoire, les personnages, on garde tout, mais on propose un rendu graphique, un gameplay et un univers sonore beaucoup plus moderne. Exemple, la trilogie Spyro, la trilogie Crash Bandicoot ou dernièrement Crash Team Racing avec CTR Nitro Fueled. L'avantage d'un remake, c'est qu'il est possible d'avoir des scènes supplémentaires. Par exemple, dans le remake de la trilogie Spyro, nous avons droit à des cinématiques qui sont rallongées afin de faire de meilleures transitions et proposer des cinématiques plus abouties, plus dans l'air du temps que dans les jeux originaux. Ainsi, l'idée de proposer un remake de The Last of Us serait-il l'occasion de proposer un gros travail pour intégrer des scènes inédites permettant de faire le lien entre le jeu et la série. Cela pourrait être un bon compromis pour justifier la réédition, même beaucoup plus belle en 4K et 60 FPS, d'un jeu qui n'a pas encore 10 ans. De plus, on a pu voir que la production et le tournage de la série The Last of Us débuteront le 5 juillet 2021 jusqu'au 8 juin 2022. On peut alors espérer une diffusion de la série pour la fin de l'année 2022 ou pour le cours de l'année 2023 et les 10 ans de The Last of Us. Ce serait alors un timing parfait pour célébrer cet anniversaire. Les deux seules choses que l'on espère désormais, c'est qu'importe les choix, les motivations et le moment de la sortie, que Sony ne prenne pas la décision de remplacer les visages des personnages comme cela a pu être le cas dans le remake de Spider-Man. Et que la série ne prendra pas une place majeure dans l'univers de The Last of Us au point de remplacer un potentiel troisième opus afin de libérer du temps aux équipes de Naughty Dog pour se lancer dans d'autres projets et que la suite des aventures de Joel et Ellie ne se fasse uniquement que sur le petit écran. Mmh.